Après la clôture de la 10e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie, les trois gouverneurs de l'espace Katangé présents à la conférence se sont retrouvés en tripartite pour discuter de leurs problèmes communs. Zoé Mwanzambala Kabila du Tanganyika, Richard Mouyej Manguez Mans du Lualaba et Jacques Kiabula Katwe du Haut-Katanga ont fait plus de 2 heures dans l'une des salles du gouvernorat du Haut-Katanga pour échanger sur plusieurs sujets, notamment la sécurité de leur province vis-à-vis de la menace extérieure, les infrastructures d'intérêt commun, la stabilité économique et sociale de leur population et la solidarité de l'espace katangé. Se confiant à la presse, après le huis clos, le doyen Mouyej Manguez Mans du Lualaba a livré l'essentiel. Nous ne pouvions pas ne pas parler de questions liées à la sécurité dans nos provinces. Au Katanga, Tanganyika, Lualaba, mais davantage dans le Haut-Katanga, nous sommes solidaires avec le gouverneur du Haut-Katanga par rapport à ce qui se passe à Kasumbalesa. Hier, dans une petite réunion avec le vice-premier ministre, nous sommes revenus sur cette question et nous avions demandé au vice-premier ministre de faire en sorte que le gouvernement prenne en charge cette question. C'est trop demander au gouverneur que d'aller dans cette complexité. Nous avons toujours prêché la paix, la sécurité, la cohabitation pacifique des communautés. Il faut qu'on nous évite ces spectacles de Kasumbalesa. Nous n'en avons pas besoin. Cela risque de gêner nos ambitions pour plus de paix, plus de convivialité, de manière à bien mener l'action de développement. Et évidemment, à la fin, nous avions parlé de nos projets, des infrastructures, essentiellement les routes. L'idéal aurait été que nos provinces soient reliées. La Banque mondiale avait fait des travaux qui avaient permis à un moment de faire la route à partir de Lubumbashi, de rejoindre Kalemie en une journée. Et aujourd'hui, c'est un problème. Les difficultés s'aggravent. Au niveau de Kolwezi, nous avons les mêmes défis. Avec les Olomami, nous avions décidé sur le fleuve de remplacer les bacs sur les sites qu'on appelle Vundabiabo. Nous devions jeter les ponts. Il y a eu un incident sur la route d'Ilolo Kassaj qui avait fait que nous utilisions les parties du pont qui étaient prévues. Il faudrait que la vocation agricole du Haut-Lomami puisse profiter à la province minière du Lualaba. Et il faudrait que, comme nous avons avec les Haut-Katanga l'ambition d'avoir une stratégie commune de relance de l'agriculture, je crois que ça serait important que nous puissions intégrer le Haut-Lomami et plus tard le Tanganyika si la route se réalise. Parce que comme vous le savez, il y a énormément de poissons dans le Tanganyika. Il n'est pas normal que nous continuions encore à importer les poissons. Quant à la province du Haut-Lomami, ces trois chefs d'exécutif provinciaux ont émis le vœu de voir la CENI organiser l'élection du gouverneur pour doter cette province d'un dirigeant légal pouvant se rallier à la nouvelle marche de ses pairs. Nous avons constaté aussi que l'espace Katanga a 4 nouvelles provinces, mais nous sommes à 3. C'est avec beaucoup de regrets que nous réalisons que le processus pour l'élection d'un nouveau gouverneur dans les Haut-Lomami traîne. Il est important, la CENI est encore là en attendant qu'il y ait une nouvelle structure. C'est une action qui doit être menée rapidement. C'est une province qui a beaucoup de défis. Il ne faudrait pas qu'on la laisse s'enfoncer de cette manière. Il faut un leader à la tête de la province, il faut une élection pour que cette province puisse aussi s'exprimer. Ces trois gouverneurs se sont convenus de se réunir régulièrement de manière rotative afin de consolider leur solidarité. Nous demandons à nos communautés dans les différentes nouvelles provinces de faire confiance aux dirigeants. Il est temps de regarder dans la même direction parce que nous sommes en plein 60e anniversaire de l'indépendance. Ce n'est plus le moment de continuer à marquer les pas à cause des conflits inutiles, à cause des écarts qui se sont inutilement créés. Nous avons l'ambition de nous rapprocher à travers des actions positives pour accélérer les processus de développement dans nos provinces. C'est par cette sensibilisation à la population des 4 provinces de l'ancien Katanga d'avoir confiance en leurs dirigeants que ces 3 gouverneurs se sont séparés.